Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir encore une fois. Les oligarques russes, Roman Abramovich, Chelsea. Millionnaire parce que pas oublié dernièrement, il a dit monsieur t'as le vendre. Chelsea et boxeur McGregor a besoin d'acheter bon, puisque monsieur m'a dit 1 milliard pour lui, il n'est pas capable d'acheter. À cause des sanctions au tapant contre les oligarques russes. Et même monsieur retiré Yatchlia, plusieurs maisons, etc. Monsieur retiré Yatchlia, monsieur voyait Yatchlia dans au Turquie, dans la mer Turquie, c'est là parce que Yatchlia est sous la mer. Et c'est là que monsieur a mis Yatchlia parce que côté le DIA en France, monsieur retiré, y compris à Londres. À cause des sanctions européennes, nous sommes retirés dans le déposé en Turquie. Et tandis que les autres oligarques russes, qui prévoient, par exemple, 280 millions d'euros, les oligarques dans Yats actuellement, 280 millions d'euros, les autres oligarques, les gens ont retiré Yats pour le déposer à Dubaï. Parce que ils ont investi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, frères et sœurs, chers membres de Kranjé, 280 millions d'euros pour les yachts, les oligarques russes, le président de Chelsea, Kleb Mandonien, Roman Abramovich, et les autres oligarques, près de 10 milliards d'euros, une dizaine milliards d'euros que la banque suisse prévoit pour le capable confisquer parce que lui obligé sortir dans la neutralité là parce que c'est ça qui a été proposé avec l'Ukraine pour suivre la neutralité suisse et autriche. Je ne suis pas d'accord, je dis que c'est la façon par eux puisqu'elle va pas entrer dans autant son autre système pour appliquer pour lui parce qu'il n'a pas besoin de l'Europe. Ok, bref, ça sont parenthèses. Mais Zelensky dit qu'il n'a pas besoin de modèle neutralité suisse et autriche. Nous à la ukrainienne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, une dizaine de milliards d'euros prévoit pour que si saisir la sortie dans la neutralité. Ça veut dire à cause de la crise là, où un milliardaire a déplacé, où est total énergie, il va acheter produit pétrole encore fin année, où est crédit agricole, pas la donne encore, ça veut dire où est tout système, ou est environnement, ou est économie, ou est politique, ou est énergie, ok, ou est énergie, et puis devant, ou est religion, parce que les orthodoxes, ou est la calibre, tout élément, il y a musulman, entre parenthèses, en bas, il y a musulman, il y a orthodoxe, et ça qui pape pour ou est orthodoxe, monsieur admet avec Poutine Bouguer, et ou est tout système, guerre là, ébranler tout système. Même j'ai dit plein qui était tombé en Égypte, il était tombé dans la mer, il était tombé dans l'eau environnementale. Premier né mouri. Personne, ça ne dit pas bien successeur de Pharaon, et laisse-moi parler qui était peuple aller, etc., etc., etc. Il était politique, il était environnemental, il était économique, parce que le monde n'a pas pu sortir pour l'acheter. Et mais c'est même crise ça qui a parlé. Rien de nouveau sous le soleil, c'est ça fait Albert Einstein. Il dit l'histoire entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion qui sépare. Ça veut dire pour nous, en tout temps, rien de nouveau sous le soleil. Entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion qui sépare. D'où même ça qui est tombé dans 10 plein Égypte que Moïse te fait, qui te gagne aspect économique, politique, environnemental, parce que dans la mer là, et où tu vois tout l'autre est religieuse. Parce que Dieu pas n'a pas avec Dieu pour là n'a pas qu'est-ce que Dieu. Et mais c'est même bagarre ça qui a reproduit encore. Rien de nouveau sur le sommet. Monsieur a pris il y a Dieu. Près de 280 millions d'euros. Abraham Roman Abramovich. Et ensuite, notre monsieur Oligarque, il va le déposer, il a disparu en Dubaï. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et tandis que nous pourrons mourir avec la faim, nous avons plus de vaccins pour nous prendre, nous allons plus ça va passer. Que nous sommes capables de réfléchir, que bon Dieu est capable de réfléchir. Merci.